Et le couvre-feu. Alors, la nuit s'est emballée des masques aujourd'hui, mais le sérigraphe n'avait pas encore livré tous les masques. Alors, ce soir à 21h, je pense, il est 30, 40. J'emballe les masques pour que demain on n'ait pas une masse supplémentaire de travail. Vous savez, l'action qu'on fait demain, c'est pas une action de plus. C'est une énorme pour te faire voir parce que depuis 8 ans, on fait beaucoup de choses. On n'a plus besoin de nous faire voir. Mais c'est une action vraiment solidaire. Une action qui me tient à cœur. Une action que j'ai soumise au roi, mon époux, qui l'a validée. Parce que je voulais faire quelque chose pour mon peuple, où je suis fille et épouse. À l'image de la reine Esther, qui s'est levée pour son peuple, je vais me lever demain pour mon peuple. Et braver la maladie qui est dehors, appelée coronavirus, pour pouvoir partager les masques à mon peuple que j'aime tant. Si la reine Esther s'est levée, malgré toutes les interdictions, elle s'est levée et elle a soumis son problème au roi. Aujourd'hui, je me lève aussi comme la... Demain, je vais me lever comme la reine Esther. Pour partager à mon peuple les masques. Peut-être tout le monde ne sera pas satisfait. Parce qu'ils n'en auront pas. Mais je reste ce que la plus belle femme au monde peut faire. Je vais arrêter par là et commencer à plastifier les premiers masques. Il y a mon mari qui est là. Il va même le thé. Vraiment, ça c'est. Merci beaucoup, mon père. Il va même manger. Alors, il y a une fermeture. Ici, on peut coller. Mais ça ne tient pas toujours. Donc. Il est toujours bon de plastifier avant, parce que ça ne tient pas. Allez, hop. Voilà. C'est plastifié. Et donc, c'est une œuvre qui me tient à cœur vraiment. Pour vous dire que après ce qui est arrivé au gouverneur, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Mais je remets tout entre les mains de Dieu. Demain, j'irai pour pouvoir donner à mon peuple. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas souffrir pour ça. Même un masque. Il y a même qui peuvent souffrir. Mais ça fait toujours du bien qu'on pense à quelqu'un. Ça fait toujours du bien. Alors je vous laisse, je vais prendre mon thé. Ça va me faire tenir pour finir les 70 masques qui restent. Je vous fais un coucou, ça fait 4 minutes là. Je vais me remettre. Voilà. Au revoir. Ciao.